Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale. On va tout simplement faire un petit pack opening. Après qu'on aura fait ce pack opening, on ira faire deux petites attaques. Et après on ouvrira le coffre à couronne, comme d'habitude. Voilà, donc du coup on va ouvrir le coffre gratuit pour commencer. Voilà, non, on commence toujours par là, on va pas changer les habitudes. Voilà, donc Horde de Gargouille, bon ça m'intéresse pas, du coup on passe. Cabane de Barbare, bon... C'est une rare, du coup, ça fait plaisir, mais j'aime pas, tu vois, j'aime pas trop ça, c'est... Ça me sert à rien, tu vois, c'est pas trop mon délire. En tout cas, en or, voilà, petit à petit, on augmente en or. On n'a pas encore les 4000, on en est à la moitié, mais on les a pas encore, quoi, hein, mais bon, petit à petit, on y arrive, on va bientôt pouvoir améliorer le squelette, le petit squelette, là, les petits squelettes, voilà. Donc, alors, gobelin, ça fait plaisir, esprit de feu, encore une fois, ça fait plaisir. Bon, pour l'instant, je les améliore pas parce que, bon, pour l'instant, ils me servent à rien. Pour l'instant, je les utilise pas parce que, bon, pour l'instant, j'en ai pas l'utilité, quoi. Ça me sert vraiment à rien, donc, voilà. Donc, alors, 43 d'or, ça fait plaisir. Si Horde de Gargouille, bon, encore une fois, si tu pouvais arrêter avec tes Hordes de Gargouille, franchement, ça me ferait plaisir, tu vois. Par exemple, une fournaise, à la limite, ça va. Une fournaise, ça peut être utilisable dans certains cas, donc, voilà. Mais pour l'instant, j'utilise pas, mais ça peut être utilisable plus tard, voilà. Donc 39 d'or, voilà, c'est déjà bien. Deux archers, là ça fait plaisir. Les archers, franchement, sont plutôt puissantes. Électrocution, bon, je m'en fous un peu, hein. Pour l'instant, c'est pas trop mon délire. Voilà, voilà. Donc sinon, il y a quoi d'autre? Alors 37 d'or, ouais, ça va. Un chevalier, bon, il aurait pu m'en donner plus, mais franchement, pas mal. Moi, je trouve que les coffres d'argent, ils donnent pas assez, tu vois. Ils donnent pas assez de troupes, tu vois. Alors eux, j'ai que ça, mais que ça de chez que ça. Quand tu ouvres un coffre, t'es presque sûr d'avoir Horde de Gargouille, quoi. Tu sais, tu préfères croire que tu prédis l'avenir, c'est... Alors, je prédis que je vais avoir Horde de Gargouille. Hop, tu cliques, tu l'as. Non, mais c'est obligé. Il y a que ça. En ce moment, il me donne que ça, ça me saoule. Parce que c'est nul. C'est vraiment nul, la Horde de Gargouille, c'est un truc de fou. Il y a tout le monde qui l'utilise, mais il y a tout le monde qui se fait contrer. Voilà, mais enfin bon. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le coffre à... Coffre d'or, on va ouvrir le coffre d'or, je pense que là il y aura déjà de meilleures troupes, de meilleures choses, et j'espère pas de Horde de Gargouille, parce que franchement c'est nul, hein, ça me saoule. Voilà donc, 149 d'or, là, ça c'est un bon pactole, tu vois, ça fait plaisir, parce que au moins ça augmente bien d'un coup, tu vois, 149 quoi. Une électrocution, là tu fais plaisir, alors pourquoi il fait plaisir, parce que l'électrocution je m'en fous, donc il en donne qu'une seule, donc ça veut dire qu'il y aura plus de place pour les autres, tu vois. Tu vois le délire? C'est comme celui qui prend pas de gâteau, il y aura plus de gâteau pour les autres, tu vois, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc du coup, 9 barbares, bon, on va dire que ça va. On va dire que ça va, ils sont plutôt pas mal, mais bon, c'est pas encore ça, quoi. Donc, esprit de feu, ça va, ça fait plaisir. Donc là, si je pouvais avoir, par exemple, je dis ça comme ça, hein, juste comme ça, une petite épique, du genre un petit ballon, ou pas un ballon, mais un... je sais plus du tout. Allez, c'est parti. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais maintenant que j'utilise, ça va, ça fait plaisir, parce que, bon, j'utilise, voilà, c'est vrai que ce deck est plutôt puissant. Ah, voilà, un rage, si j'aurais pu avoir un rage, ça aurait été plutôt pas mal, j'aurais pu l'améliorer d'un niveau, mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, voilà, donc la Valkyrie, voilà, le boule de feu et le géant, pour l'instant, franchement, ça, c'est un deck, oh là 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 là, et ça va, hein. Si tu le gères bien, franchement, ça va, il gère bien, enfin, il est puissant. Voilà, donc du coup, on va tout simplement attaquer, on va faire deux petites attaques, et après on ouvrira le coffre à couronne. Donc moi je vous dis à tout de suite, allez c'est parti. Allez c'est parti, on est au mois de juin, on est le 3 juin si je me rappelle bien, on est contre Jun. Donc bon, malheureusement il ne s'appelle pas Juin, ça aurait été assez délirant, mais ça ressemble plutôt, tu vois, donc j'ai voulu faire un petit délire dessus. On va essayer de faire ça, on va sortir les flèches parce que je le sens bien. Non, ça va, c'est bon. Bon, voilà. Apparemment, il a pas. Il a pas mis ce que je pense là, comment ça s'appelle? La Horde de Gargouille, il a pas mis ça, donc heureusement pour nous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ces barbares, on va les éliminer. Voilà, on va regarder. Regardez comme c'est puissant en défense. Regardez ça un peu. Hop là, t'as vu le cochon? Zoup, ça dégage. Non, ça fait plaisir, franchement. Ça fait plaisir. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on va pouvoir. Attendez. Ouais, non, on va attendre un petit peu, parce qu'on peut faire une bonne attaque, là. Oh, deux secondes, toi. On peut faire une bonne attaque, on va attendre. Je sais pas comment on va faire, attends. Bon, allez, on prend un risque. C'est pas très grave. Hop, là, on envoie le petit sort de rage.
Voilà, ça fait toujours plaisir, un petit sort de rage. Ouais, donc si possible des petits gobelins, enfin des petits squelettes. J'aurais peut-être pas dû envoyer squelettes parce que après il m'envoie le... oh oui, oh si, j'ai bien fait de les envoyer. Oh mais j'ai carrément bien fait, regardez-moi ça. Oh là 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 là, mais ça fait plaisir, mais j'ai carrément bien fait de les envoyer. Hein. Ouais, parce qu'en fait après il peut envoyer le cochon. Donc s'il envoie le cochon que j'ai rien pour défendre, vous pensez bien que je suis pas dans ma meilleure position à ce moment-là, tu vois. Voilà, donc c'est parti, maximum de défense. Voilà, ça fait plaisir. Et oh, peut-être maximum d'attaque, hein. Non? Non, bah non, dommage. Il aurait pas tiré, ça aurait fonctionné, mais là non, malheureusement non. Bon, bah en attendant, nous, je pense que là, on peut s'assurer la victoire. Enfin, la victoire. On peut s'assurer une couronne au moins. En cassant le truc, hein. Je pense qu'en envoyant le géant, là, c'est sûr, la couronne, elle y va, quoi. Hein. C'est obligé. Allez, hop, c'est parti. On envoie ça. On envoie ça, c'est pourquoi pas. On envoie ça. On envoie ce qu'on peut. On envoie ça. On prend la boule de feu. Au cas où, on sait jamais. Non ? Dommage, dommage, dommage. Franchement, dommage. C'est vrai que c'est un peu dommage. Donc, on va envoyer la boule de feu juste ici. Et boum ! Et en plus, on prend son chevaucheur de cochon. Franchement, ça fait plaisir. Ouais, donc, on va envoyer, hop, la petite Valkyrie qui va faire le taf. Voilà, ça va toujours faire plaisir, ça. Voilà, hop, on envoie les petits... enfin, le géant. On envoie le géant. Tout simplement, on envoie ça. On envoie le sort de rage. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais t'as envoyé ta boule de feu, ça va casser la tour, tout ça. » Mais oui, c'est ça. Et t'as cru que j'allais faire ça, toi? T'as cru que j'allais faire ça, moi? Non, mais attends, je suis pas comme ça, mon petit, moi. Non, moi, je joue loyalement, tu vois. Ah ouais, non, mais moi, je suis un honnête homme, ok. Voilà, donc, du coup, ce qu'on va faire, on va tout simplement gagner. Parce que, malheureusement... Oh, il a quitté. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de pouvoir prendre une autre couronne, enfin, une autre tour. Donc, bon, c'est pas très grave, mais voilà. Dommage. Et c'est parti, les gars, on est contre un niveau 7. Ça fait toujours plaisir, tu vois. Non, mais ça fait plaisir d'être contre un niveau 7. Alors, déjà, tu vois, dès le début, le mec, il montre qui c'est le patron, tu vois. Il montre quelle troupe il a, tu vois, bien puissante et tout. Mais il n'y a pas de souci, parce que nous aussi, on a des troupes bien puissantes. Regardez-moi ça. Hop là, voilà. Et on fait rien du tout. Et allez, regardez ce qu'on va faire derrière. Regardez bien ce qu'on va faire. On va faire ça, tout simplement. Attendez, juste avant, on va mettre. J'ai dit avant, on va mettre. Ah non, mais t'es sérieux, quoi. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Bon, c'est pas très grave, on s'en fout, parce que nous, on va faire quand même un maximum de dégâts. Allez, c'est parti les gars, allez, c'est parti. Et ben voilà, voilà, qui c'est qui fait plaisir? Qui c'est qui fait plaisir? C'est Baby. Voilà, nous on est comme ça, voilà, on fait un maximum de dégâts, tout ça, on fait tout péter, ben voilà. Tout simplement, hein. Regardez, regardez, hop, on envoie les petits squelettes. Boop, hop là, ils se retournent, et voilà. Nickel, on fait un petit peu de défense pour seulement un élixir au lieu d'utiliser 3 élixirs pour les flèches. Voilà, ça, ça fait plaisir. Donc du coup maintenant... On va tout simplement attendre un petit peu. Ah oui, non, en fait, ouais, on va envoyer ça. On va envoyer ça. Ah là 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 là, on va envoyer le petit géant qui fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, petit géant. Allez, le géant. Voilà le géant qui monte. Voilà, hop, on envoie les troupes juste là. On envoie les petits squelettes aussi. Voilà, bon, nickel. Franchement, là, si on n'a pas bien défendu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait si on n'a pas bien défendu? Oh, vous avez vu ça un peu? Et la Valkyrie qui fait un max de dégâts en haut et tout ça. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, et regardez le géant qui continue à faire un maximum de dégâts avec les petits squelettes. Ah non, malheureusement, les squelettes qui sont fait un petit peu amochés. Mais c'est pas très grave. Regardez-moi ça. Boum, la petite boule de feu qui fait tout casser. Et là, franchement, là, c'est une bonne attaque. Oh, entre nous, c'est pas une bonne attaque un petit peu? Ça, franchement, quand tu fais des attaques comme ça, mais ça fait plaisir, tu vois. Ça fait vraiment plaisir. Alors, de toute façon, il nous fallait... qu'une seule... alors là j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai lancé mes... je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon tu m'as compris. Donc j'ai fait n'importe quoi, j'ai attaqué un peu n'importe comment, c'est pas très... ça arrive. Il y a des fois on fait n'importe quoi, ça arrive. Alors là on va envoyer les flèches, voilà, hop, boum. Voilà, donc du coup maintenant, cette fois-ci, on arrête de faire n'importe quoi. On envoie le petit géant, on envoie le... je sais plus comment ça s'appelle, mais bon ça c'est pas très grave. On envoie maximum de trucs pour de troupes pour défendre. Alors là malheureusement, bon c'est pas grave, on va envoyer une petite boule de feu. Hop là, ça va faire un peu le taf. Voilà, bon, j'avoue que là, ah, joue pas à ça gros, hein, parce que moi tu sais, je peux très bien aussi envoyer ma boule de feu. Donc joue pas à ça, hein. Voilà. Non mais tu veux jouer à ça, moi je peux très bien le faire aussi. Donc fais gaffe à ce que tu fais, hein. Voilà, c'est ce que ça pourrait te retourner contre toi. Ça pourrait se retourner contre toi. Donc fais gaffe quand même, hein. Fais gaffe, fais gaffe. Voilà, ça, ça fait plaisir. Voilà, on a encore cassé une tour. Franchement, ça fait plaisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça. On va envoyer ça. Bon, là, on a gagné, les gars. Là, clairement, on a gagné.
Pas besoin de... Voilà, moi je touche plus à rien, moi. Ouais, il fait ce qu'il veut. Moi je touche plus à rien, j'ai gagné. Voilà, moi je touche plus à rien, quoi. Il y a pas de souci, ça fait plaisir. Bon, en attendant, on a gagné. On a gagné la couronne qu'il nous fallait. On a même gagné une de plus, donc la deuxième. Ça fait plaisir. Donc là, on est à 1500 trophées, malheureusement. Je suis monté, je crois, jusqu'à 1600 et quelques. Et franchement, j'avais fait que gagner, et puis après, j'ai fait que perdre. Pouh, comme ça. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est un peu dommage, parce que franchement, ça faisait plaisir d'être dans les 1600. Je me suis dit, peut-être qu'on va aller dans les 1700. Ah, malheureusement, non, quoi. Ah, je suis pas chanceux, hein. Franchement, je suis pas chanceux. C'est vraiment dommage. Bon, c'est pas très grave. En attendant, on est toujours à Rennes 5, et là, franchement, enfin, à Rennes 6, et ça fait toujours... On a Rennes 5 ou Rennes... Oh, ah mais on a Rennes 5, donc je me suis trompé, ok. Donc ouais, non, j'étais arrivé jusqu'à Rennes 6. Enfin non, j'étais pas à Rennes 6, mais j'avais combattu des gens à Rennes 6 et pas à Rennes 7. Je me suis un peu trompé. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Ouais, donc en attendant, franchement, ça fait plaisir. Voilà, on est toujours à Rennes 5. Ouais, en espérant être bientôt à Rennes 6. Ah, peut-être quand on sera niveau 9, peut-être. Ça serait une bonne logique, voilà. Bon, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir le coffre couronne, parce que c'est, à mon avis, ce que vous attendez. Voilà, donc, alors là, ça fait toujours plaisir. 3068. Non, ah oui, bah voilà, pourquoi je dis 3000? 368 d'or, ça fait plaisir, c'est vrai que 3000 aussi, ça aurait fait plaisir, malheureusement, c'est pas le cas. On est à 2700, il nous reste plus que 1300, on va dire environ 2 packs opening, quoi, hein, environ. Voilà, donc du coup, alors, gemme, donc 2 gemmes, ouais, 4 électrocutions. Ouais, mais je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas trop, tu vois. Donc, si tu pouvais donner mieux, du genre, je sais pas moi, des archers ou trucs comme ça. Ou un chevaucheur de cochon, ça fait plaisir aussi. Voilà, ça aussi, ça fait plaisir, tu vois. Ça, franchement, ça fait plaisir. Oh, non, c'est génial. Sinon, il y a quoi? Oh, cabane de barbare. Bon, je m'en fous un peu. Mais si tu me donnes une épique, par exemple, une Valkyrie, ou voire même. Tout simplement un géant. Si tu me donnes un géant. Ah mais non, c'est pas une épique ça. Enfin bon, un sort de rage. Ah, des canons quoi. Des canons mec. Mais s'il te plaît quoi, il n'y a pas plus nul que des canons. Ah des canons, mais des canons. Putain, je vais devenir bourré moi, ça continue. Hein. Talala. Quoi, j'ai fait un jeu de mots et alors? Tu vas pas me juger non plus. Bon, allez, voilà, on achète des Tesla, malgré j'aime pas ça. Allez, on en achète quelques-unes, histoire de faire plaisir. On a quand même pas mal de Tesla, hein. Franchement, hein. Je sais pas jusqu'à combien on pourrait l'améliorer, au moins niveau 8, je pense. Voilà, donc, bah, je suis fait un peu mal. Bon, en attendant, on en a fini avec ces attaques et ce coffre à couronne. Ça fait 45 minutes que je joue à Clash Royale parce que j'ai fait que perdre. Donc à chaque fois je faisais du 1 étoile, 1 étoile, 1 étoile, 0 étoile, 1 étoile, 1 étoile. Et voilà, donc du coup bah ça a pris très longtemps pour attaquer. J'ai pas fait des attaques super cool, hein. J'en ai fait une tout à l'heure, vous avez vu, c'est pas... Bon, j'ai gagné vite, hein, mais c'est vite fait. Là, l'attaque là, bon, c'est vite fait. Bon, voilà, je suis un peu fatigué ce matin, donc bon. C'est pas très grave, mais en attendant, on va se terminer là-dessus. Voilà, donc on a fait un bon pack, enfin bon, pas vraiment, on a fait un coffre à couronne qui était plutôt moyen. Voilà, mais en attendant, on va se laisser là-dessus. Je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao. Et puis voilà, allez, ciao tout le monde, ciao. Et n'oubliez pas, restez cool là.